Deuxième game de la soirée, mesdames et messieurs, on est reparti directement en phase de draft. Game Ward contre Vitality. Deux équipes victorieuses. Qui, mon cher Shrik, terminera cette week 1 avec la confiance au max? Excusez-moi, j'écoutais vraiment la musique parce qu'elle est banger. Mais c'est clair que c'est peut-être pas les deux équipes qu'on attendait en 1-0 après cette première journée, surtout pour Game Ward, et pourtant ils nous ont montré du solide avec Peng et tout ça, et ça Akali. Donc est-ce qu'on s'attendrait pas à des bans? Justement, on voit Akali qui est banni de temps en temps, en LCK du moins. Ouais, c'est légitime, je suis bien d'accord. Même si pour le coup, Chayek, c'est bien le genre de midlaner que je vois avoir préparé une réponse vraiment bien target. Hein. Ça fait partie des midlaners qui ont des champion pools hyper larges et il est pas timide, il a pas froid aux yeux généralement. C'est exactement ce que je me dis, c'est l'un des mids, je dirais pas sous-estimé, mais qui a un très très bon niveau. Est-ce pas, par nous. Pas par nous, évidemment. Mais est-ce qu'on va voir ce ban Akali ou pas du tout? Il y a encore Orianna, Ashe, Kalista, Azir qui sont open. On a bien un des 4 qui s'abanne, voilà, évidemment. Ashe. Avec l'intro donc pour les Game Wars dans les performances notables pour Game Wars hier, Zixi, hein, une game XXL de Jax. Oui. Également dans le match-up Xing-Zao, hein, les counterpicks de Xing qui fonctionnent très bien en Ligue française. Peut-être une Orianna pour Peng, plutôt un Xin pour Zixi. Et du coup, Selfmade qui a lui aussi joué Jax Jungle hier. Donc le Jax étant banni, l'autre solution qu'on a vue, c'était le Trundle Jungle. Moi je suis un peu sceptique pour l'instant de ce pic. J'aime pas trop, je pense qu'il y a des meilleures options. Il reste Nocturne. Non, Nocturne a été supprimé. Aïe aïe aïe. On peut partir sur des champions peut-être un peu plus obscurs. Mais d'abord, Kalista de verrouillé, est-ce que ça débloque directement la Renata? Parce que Renata Xin aussi c'est très fort. Ouais. Pas encore si le poste de support ne va pas être temporisé pour aller jusqu'à la fin. Et on peut laisser cette Renata pour l'instant, on cherchera une REL. On a beaucoup plus vu, comme on disait, dans les autres ligues. Et ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Et donc, Zixi va pick normalement pour son AD carry. On veut verrouiller l'AD carry avant que ce soit trop tard. Il reste quand même Aphelios. Mathias en a un bon. Alors je le connais pas, moi je t'avoue que je connais pas la qualité du Aphelios de Mathias. Ouais, par contre ce sera Nico qui est verrouillé pour Peng, champion traditionnel, il a déjà fait le café avec, il connaît bien maintenant. Je pense que la Dicari c'est pas mal, il reste le support aussi. Je suis vraiment pas, non. Renekton, blind pick régular. Après pour Naknako ça peut être la bonne occasion de sortir cette fameuse champion pool spicy qu'on nous a vendu. Ou alors juste de jouer un tank. En vrai, Renekton, c'est la bonne occasion aussi de jouer un tank dedans. Est-ce que tu prends pas Renata et avant qu'elle soit bannie? T'as pas envie de profiter du flex support jusqu'au bout là? Je sais pas, parce que Renata, donc Zinico Renekton, ouais, t'es content, mais Gwen est tellement bon aussi. Tu vois, c'est le bon match. Alors, le match-up, il est pas si facile. Ouais. Il est gagnant ultimement, j'imagine. Ouais, exactement. Contre Xin, t'as beau mettre ton ultimate, la Gwen elle te met auto-auto-Q, tu disparais tout simplement. Pas mal aussi contre Nico en vrai pour esquiver les all-in et tout. Tout à fait. La zone de Gwen étant très petite, ban de Lucianne. C'est vrai qu'il y avait l'alternative Lucianne plus Enchanteur, mine de rien, qui était toujours sur la table. Alors je sais pas si c'est recommandé dans Kalista. Oh, après tu peux jouer, bah il y a Draven aussi à ce moment-là si on part sur cette alternative. Carrément. Qui est totalement jouable dans Kalista, qui gagne la lane. Et on a renlevé cette Renata, évidemment. Malgré que je pense que la raid, elle va peut-être partir support. Ça y est. C'est-à-dire que Mathias n'a pas de Draven ou on n'a pas peur du Draven. Ok. Ça me paraît cohérent de se dire qu'il n'a pas de Draven. Azir en last ban. Maintenant, Chayek, a priori, à la sélection. Si on veut laisser à Sten Selfmade la liberté de rebondir comme il le souhaite. Arena, c'est très bien ici. Bien vu. Tu fites parfaitement dans la draft. Avec une raid, c'est nickel. Ouais. C'est quoi ta réponse, toi? Ah bah oh. J'ai dit qu'il n'y en avait pas parce qu'il n'était pas ban. Après, pour l'instant, il est seulement présélectionné. Si Draven est lock, on a une bot lane. Et ce serait quoi? Draven Pike, genre en légende. Draven Pike ou Draven, un truc à l'Istar Leona, tu vois? Quelque chose de plus traditionnel.
Prêtre, Alistar Leonard, ouais, non, c'est plus un Aphelios dont je parlais tout à l'heure. Et possiblement une Lulu avec. Ouais, c'est très logique d'avoir Lilio. Lulu Aphelios, Lulu Xin, ça passe bien. Lilio, c'est tout aussi bien en vrai, mais il n'y a pas beaucoup de CC, c'est ça le problème. Moi j'aime bien la Lulu pour cancel language de Rel, etc. avec la Wellgrowth. Il y a un angle de Bard, mais il est vraiment pas ouf. Ok. Classique. Classique. Et donc là, faut choisir où va la Rel. Mystère. Tu game Blitzcrank ou elle est dure cette game Blitzcrank. Je suis méga chaud pour un petit Blitzou là. Hein. Elle est méga dure ta game. Peut-être que tu mets Rel support et tu trouves un autre jungle, mais quel est le jungle que tu voudrais prendre ici? Ok. Ah, écoute, ça sera une Vi. Les deux drafts ont de la panache, ça c'est sûr. Vi Orianna, Rel Orianna d'un côté, de l'autre t'as juste l'agression, tout simplement. C'est pas mal. On est très régulier dans cette phase de draft. Vraiment pas d'énormes surprises. Gros atout de team fighting. Pas de tank dans cette game. Est-ce que vous considérez Renekton comme un tank? Non, toujours pas. Ah non. Non, ça fait pas les objets qu'on anticipe. Certainement pas dans ce matchup en plus. Ça fait Thunderer, je crois, Thunderer Sky, là, le nouvel item. Quoi que dans Gwen, est-ce que tu peux pas être intéressé si c'est Gwen double AP? Ah, j'y crois pas une seule seconde. Non. Dégâts en pourcentage d'HP avec pénétration magique et tout. Tu te fais shred comme Jaja, autant tenter de burst quelqu'un le plus rapidement possible. Ok, plan de jeu bien sûr pour l'éviter ATB. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'actions autour du bot side, des setups de dive à l'appel. Du coup, peut-être une top lane un peu plus laissée dans son 1v1. Bon, ce sont nos attentes dans tous les cas. Mais ces deux équipes victorieuses hier soir, mesdames et messieurs, qui vont donc se battre avec un double enjeu. La victoire, le Puntos bien sûr, et une première semaine parfaite. Comme la KC Blue, bien sûr, qui vient de terminer sa première semaine de compétition. C'est bien. On va voir ce que ça donne, il y a vraiment tellement de choses à faire, on est trop intéressé. Mais en tout cas, il n'y a qu'une seule équipe qui terminera en 2-0 après ce match. Game Ward contre Vita, c'est maintenant. Les bumpers également sont mouvementés, tout comme cette early game, peut-être non. On ne déclenche pas sur Zixi. Ça va nous permettre de... Oh, les fans en folie. Ça, c'est des échantillons audio des LFL Days, bien sûr, hein, qui sont intégrés dans le jeu LFL Days. Dans 2 semaines et demie, on peut dire ça comme ça, mesdames et messieurs, 7 et 8 février prochain. Palais Nikaya à Nice, remake, bien sûr, des derniers LFL Days en date. Les places sont toujours disponibles. Toutes les infos sur le Twitter LFL officiel. N'hésitez pas, on vous attend. On est impatients de vous retrouver. Et les équipes aussi, surtout. Hein, parce que c'est un peu ça. La grande qualité des LFL Days, au-delà de tout le reste, c'est que les 10 équipes sont là. Tout le monde est là, tout le monde. Meet and greet, on peut voir ses joueurs favoris, on peut leur parler. Et évidemment, on commence à le connaître, ce palais. On commence à le connaître. Et il nous connaît, surtout. Alors les runes, mon cher Shriek, rien d'anormal de ce que je vois. On a traditionnel sur la mid lane, phase rush contre Aeri. Et on a l'avantage de pouvoir jouer Aphelios pour Peng, ce qui lui donne un peu plus de range normalement. Bon, avec ses armes surtout, le sniper. Un détail qui paye. Alors on a choisi Aeri, bon, c'est un détail mineur pour Peng, mais... Bon, domination de lane, c'est commun dorénavant. À la limite, il y a Comet, mais bon, c'est un peu plus faible comme rune. Si tu comptes pas mettre auto-attaque, c'est le go. Mais sinon, c'est Aeri tout le temps. Et en bot lane, on est en train de stacker des waves. On n'est pas du tout là, évidemment, pour self-made, pour dive sur la troisième. Donc, c'est plus ton stack parce que le match-up le permet. Ouais. Et on deny les creeps un par un, évidemment. À moins que self-made. Non, c'est trop risqué. Il n'y a pas de clan sur Mathias. Ah, ça crache ouais, là, plus ou moins. Ouais. Il y a une belle flopée de casters, mais c'est injouable. Évidemment, ça ressemble à du full clear. On va voir surtout si Zixi quitte le bot side. Parce qu'il est complètement spot. Et il ne quitte pas le bot side. Il s'investit
dans la jungle, Vitality B va pas trop loin non plus. On agresse, mid jungle en tandem, le Q qui connecte, joli chunk sur le jungler. Des game wards, la botlane également qui décale, ça fait beaucoup de monde, le flash out est nécessaire. Waouh, on a fait demi-tour, cette maid, il était tellement certain que Zixi allait flash qu'il a dû refaire demi-tour pour le forcer à flash. Mais c'est réclamé, et on s'en doutait avec cette belle ward dans la rivière. La rivière, c'est un nouveau terme. Oh, la rivière. C'est du franglais, t'inquiète. Allez, le slow push maintenant côté game ward. Dis donc, il est coquin sur les pouces, Steelback. Ancien joueur Vitality, bien sûr. Ah, ce coup de tour, il va le prendre. Allez. C'est dans la poche, ça va reset en légende. Le temps pour nous de nous intéresser un petit peu à ce qui peut se passer topside. Pas grand chose en vrai, donc voilà, c'est terminé. Évidemment. Ah, par contre, mid lane, ça bosse. Hein. Ah, la petite rotation, je pense que et bot lane et mid lane, on a perdu un créneau à cause de cette rotation. C'est-à-dire la wave va commencer à bounce back. Et on va devoir reset. On va perdre de l'XP pour Tchayek. Ouais. Ah, la laning phase à 10 CS hein, jusqu'à présent pour le millénaire Vitality B, ça le met pas très bien. Ah, pour la bot lane non plus. On va trouver un chunk pour Feng avant de reset. Mais non ! Ah, dommage que le root ne connecte pas. Parce que je pense que Tchayek il s'y attendait pas du tout à celle-là. Hein. C'était vraiment du grid pur et dur juste pour enlever un maximum d'HP. En fait, là, Peng n'a pas reset. Ouais. Et il a autant d'HP que Tchayek. Et là, son back TP, il va faire très mal. En plus d'avoir un meilleur back TP, surtout. Il va connecter celui-là. Hein. J'imagine qu'il vise un alternateur X-Tech. Quelque chose du genre. Bon, là, il va devoir stay quand même. J'ai toujours été très, très satisfait par les mécaniques de Nico, de Peng. Tu sais, sur les swaps de clones et compagnie. Tu sens que le gars, il a bind toutes les touches, tu vois. C'est travaillé. Et oui, il y a des touches à bind en supplément. Pour jouer Nico comme ça. Ce qui est très relou au passage, mais... Ouais. Ah, le plan de dive avec un gravito mais une transi lance-flamme, ça peut être très dangereux. Va pas falloir se couper sur l'exécution. Le stun qui connecte le follow-up avec le Q de self-made. Mais la barre de points de vie de Mathias ne descend pas et self-made se fera supprimer par la téléportation de Peng qu'on attendait mid lane. Wow. Et qu'il utilise en soutien de son bot side. On n'a pas voulu commit pour stand, on a préféré cancel. Et je pense que Vita n'était pas d'accord. C'est pas fini. C'est pas fini. Mathias, il a son flash. Hein. Il a son flash disponible. Le stun ne connecte pas. On focus le Nautilus. C'est on doit reculer. Et on doit reculer. On doit reculer parce qu'il y a le Zixi qui arrive. Voilà, Sten, la marche de la honte, bien sûr. Flash in. Les auto-attaques du Gravitoon qui slow. Est-ce qu'on a une réactivation Superb Stun, on décide de turn. Oh, c'est beau. Mais c'est bien vu. C'est bien vu. Énorme trade. Est-ce que c'est fini, Steelback, il est mid-life, il y a les dégâts peut-être pour le tuer. Non, ça va mettre le flash in, okay. On va assurer le kill, on a paniqué du côté de Game Ward. On est bien d'accord, mais on s'en sort relativement bien. Bon, c'est pas sur le Aphelios, mais c'est sur Xin. Ah, qu'est-ce qui se passe sur ce topside? Ah ok, on fait ça maintenant, ok. Et il en prend un. Du coup, il en deny un, j'imagine. Juste. Après, Renekton, normalement, c'était une assurance de Void Grubs. C'est une dinguerie. Il en prend un avec son ultimate, il repart prendre sa wave en partant sur la base qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une activité top lane. Okay, bah écoute, si le jeu se précise sur le top side, attention, c'est sur le dragon, engage direct de la part de Stand, c'est Zixi qui va être supprimé. Ah, c'était greedy ce call dragon dans Night on Blue Side, hein. On n'a pas d'escape et il n'y avait pas de flash sur Zixi. Bah, on sait où il était ce flash en plus. On sait où il était. Tellement vrai que ce flash, bah, il a servi à beaucoup de choses ici. Drake récupérer un kill en plus qui est parti dans les mains de self-made. Cette Kalista n'a pas reset. Effectivement, on a quand même des bottes de Zerg là. Occasion parfaite de pull en freeze. Hein. Je pense que c'est le call. La wave est loin quand même, mais Steelback peut tanker, hein, je pense. Ah, il va faire mal ce freeze, je pense. Hein. Après bon, vu le CS lead qu'il y a pour Yopa, on peut pas le cancel ce freeze, hein. On va perdre une wave entière. Ouais mais bon, une wave alors qu'il a une vingtaine de CS d'avance. Et qu'il n'y a plus de summoner sur Mathias. Franchement tu donnes, hein. Transition niveau 6, il va y avoir du stand bot. Il y en a déjà mid lane, mais c'est Peng qui domine totalement Tchayek. Hein. Il a domination de lane, eu l'avantage de la TP pour pouvoir TP bot, cancel le move, donner le premier sang à son équipe et retourner mid et continuer de dominer. Plutôt efficace. Hyper actif. L'ex midlaner Solari, maintenant du côté de Game Ward. Et du coup, forcément un freeze, c'est pas sans danger. Mais heureusement, on a un lance-flamme pour Mathias, donc on peut contrôler ça assez facilement.
sceptre vampirique d'avance. Et Ben qui part all-in. L'ultimate qui passe, le rouge, le switch. Wesh, les Big Jump avait, c'est un solo kill. Mais regarde les règles de l'art. Oh, la wave kill, perd Chajek en pur 1v1 dans le match-up. Oriana contre Nico, c'est un solo kill plus une wave ennemie de deny. C'est énorme ce qui vient de se passer sur cette mid lane. Peg est en train de le massacrer. C'est pas le même humain. Impact sur la map, leading phase au sommet tout simplement. Et solo kill à la clé sur une full wave qui crash. Mais Peng n'a rien à faire en LFL. C'est vrai. Peut-être des conclusions hâtives, mais faut avouer que c'est impressionnant ce qu'il nous fait le Midlaner Game War là. Peng au-dessus de Faker. Ouais, en effet. Bah, ce qu'il est en train de faire, tu enlèves les pseudos. Ah, c'est moi qui dois me calmer. Ouais, ah, bah oui, c'est Faker, excuse-moi. Oui, c'est énorme ce qu'il fait parce que là, c'est du pur gapping 1v1. Oh. C'est un matchup qu'il n'a pas choisi. Par contre, là, le dive. Avec l'ulti de Vi, très difficile à outplay. Où est Zixi? Il est en route. Mais ça va coûter une wave entière, ça va coûter de la plaque. Il faut pas que ça coûte plus cher que ça par contre. Zixi, il peut venir, mais ça changera pas le dénouement. Hein. Niveau 6 de Yopa aussi, il y a que Zixi qui est niveau 6. On en est au niveau XP, on voit qu'on est à 60% de la barre en bas à gauche de l'écran. Bon, heureusement qu'on a la libération du jungler. Mais ça coûte. Hein. Ce bot side, il coûte cher. Aïe, 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 aïe. Ouais, regarde, hein, Peng a un level entier et demi d'avance. Il va passer niveau 9. Chajek n'est toujours pas niveau 8. J'ai très peur. Oh, les voices de Nico. Supportable. Totalement. Ne jouez pas avec les voix off. On. Bon, alors ça devrait comment. Quand est-ce que ça commence à chauffer là-haut? Parce que le spike Hydro Titanes, normalement, pour Renekton, c'est le bonheur. Réel, le reset d'auto, on connaît. Normalement, l'early game, il n'est pas si dur. Après, il joue pas Ignite, évidemment. C'est en face qu'il y a une Ignite, donc... Il aurait dû, tu penses, d'ailleurs. Je sais pas, parce qu'à partir du moment où Naknako est parti lui-même sur Ignite, ouais, c'est lui qui a une vraie pression de kill. Et surtout qu'il est normalement pas censé chercher un kill. Peng avec un cosplay, caster mignon. Ça peut pas passer. Est-ce qu'on va tomber dans le panneau? Et si ça enclenche ici, attention au pop Blossom. Oh, la vengeance de Peng en triple hit. Mais déjà un kill du côté d'Evité et Tibi. On peut compter sur le soutien également de toute l'équipe. Tous les joueurs sont là sur le bot side. On a une Kalista qui saute à gauche, à droite. Ça se passe très bien pour les abeilles. Game Ward, c'est pas bon là. Et on n'a pas les dégâts suffisants. C'est Oriana qui trouve le flow. L'Ignite. On a trouvé un kill et il y a une interruption. Et il reste que Zixi sans aucune solution dans une impasse dans l'alcove et c'est une victoire pour Vitality sur ce fight. 4 pour 1, c'est ça? Même pas 4 pour 1, je crois que t'as raison. On va revoir le play, bien sûr. Est-ce qu'il est mort, cette mate? Je crois que oui. Hein. Il s'est fait sauvagement arracher. Alors que l'ulti Nico est excellent, mais où sont les dégâts de l'ulti Nico? Cette mate va mourir, n'est-ce pas? Oui, et c'était le seul kill de Game Ward sur cette occasion. Ah, le truc, c'est qu'il y a un ADC qui fait le fight et un ADC qui meurt frame 1. Il y a une Gwen qui a déjà scale. Ouais. Ce qui est dommage pour Mathias, c'est que son intention, j'imagine, c'était de bait. Waouh. Là, le bait était trop convaincant. Ouais. Il n'avait pas de flash, hein, on précise, bien sûr. Tout à fait. C'est pas le genre de fight que tu veux. Perdre ton AD carry en 5v5, si tôt dans la partie. C'est pas bon, et donc ce deuxième Drake qui devrait être plutôt simple à valider pour Vita. Et malgré ce play sauvage, on a juste 1000 gold d'écart. Hein. Attention, ça peut aller très vite avec l'orbe d'Oriana, la shockwave a été récupérée. Et puis 1000 gold d'écart, Shriek, c'est pas énorme. Hein. Bon, deux Drake quand même. Les 1000 gold, bah, avec le solo kill mid lane et la wave entière qu'il a perdu, Thierry, je pense que c'est là qu'on a... rattraper le retard côté Game Ward. Mm-hmm. Mais les 1000 gold d'avance sur la bot lane sur Yopa. Une Amex Tech. Damn. Pas de script. Chemtech it is. Est-ce que c'est bien? Ça va sur Gwen. Reste. Sur Gwen, c'est stylé. Ouais, sur Gwen, c'est vraiment stylé. Surtout qu'elle est plutôt bien là. Elle a bien mangé. Ah, et donc le build de Selfmade, c'est un build de patate de forain. Oula, ça va chauffer. Hein. Je suis pas sûr que t'as envie de jouer ces larves hein, pour Game Ward. Après, t'as un Renekton, mais est-ce qu'il fait encore assez peur? On est à deux doigts d'un double spike Hydro Titanesque. Hein. C'est vraiment terrible pour Game Ward.
Il faut que l'engage soit convaincante. La contre-attaque directement sur Steelback. La Shockwave est bonne, mais fait très peu de dégâts. Attention à l'arrivée de Naknako sur le side, mais Selfie ne fait déjà plus partie de la bataille. Ça touche, ça touche. Il manque ou pas, il n'est pas présent. Naknako qui est toujours dans le pit, qui va s'en sortir. On est en train d'atomiser cette tourelle bot cependant. Mais on a lâché un kill. On a les 6 Void Grubs aussi, on a les 6 larves du néant pour les Game Wars. Et B. 6 larves, ce n'est pas Game Breaker non plus. Parce que la composition Game Wars ne permet pas réellement d'aller abuser du style. Mmh. C'était délu pour toi, pour l'Evita, de jouer ce fight en 4v5 ? 4v4 non, 4v5 oui. Ouais. Totalement. Après, c'est une mort pour quasiment l'intégralité de la tourelle bot. S'il n'y avait pas eu la mort de Selfmade et qu'on avait juste forcé les Game Wards à venir à 5, ça aurait été bien. Ça aurait été raisonnable. Si on était à l'époque du héros de la faille, ça aurait été encore acceptable pour Game Ward, je pense. Ah ouais, c'est difficile à dire. Mais là, moi, ce qui me tue, c'est que pour les Game Wards, vraiment, s'ils avaient eu les deux Hydra, c'est pas le même fight, hein. Ouais, il tue pas qu'une seule personne. Oula. Oh, en parlant de fight, justement, c'est Pride qui va tomber. Oh, l'interruption, purement et simplement, 1v1. Pride, tu parlais. Pas de il avait un shutdown en plus. Ouais, et maintenant il vient de le donner à l'hypercarry en face. L'argent. Aïe, 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 aïe. Et vu la facilité avec laquelle Naknako a récupéré ce solo kill. Tu parlais de partir un peu tanky. Eh bien, peut-être que c'était le call. C'est que là, niveau Magic Resist, on n'est pas au top. Hein. On est clairement pas au top. Oula. Bien vu. Ouais. Pour Chayek, bien sûr. L'objectif c'est de prendre la tour, hein, pas forcément de solo kill. Sur le timing chakram, ça met bien. Hein. C'est tellement broken. C'est une dinguerie. Et pendant ce temps-là, Naknako qui va être sûrement l'homme à abattre de la game. Je suis pas sûr qu'il... Ah, il en faudra des dégâts pour le tomber. Hein. C'est quoi, c'était Mathias? Ah, je sais pas. Pour un Kyriadé, Gwen, c'est pas évident à gérer honnêtement. Très intéressé de voir ce qui va se passer sur cette Gwen niveau 11 de compléter déjà. C'est son premier item. Je pense que pour que Naknako soit supprimé, il faut une petite dose d'erreur de son côté, un minimum. Il joue pas de flash, pas de ghost à tout moment. Ah, il explose, tu vois. Petit Nico, on se fait surprendre, sans tout zéro. Est-ce que tu t'embêtes à envoyer quelqu'un en side face à lui parce que c'est... Regarde ce qu'il va prendre Pride, hein, s'il reste. Il prend pas, ouais, il part tout de suite. Ouais. Je pense que tu peux largement tenir la T2. Mais combien de temps encore? Ouais, ça commence à sentir le roussi pour les Game One. Mais encore une fois, on n'est qu'à 1000 gold d'écart. Hein, entre les deux équipes. On a des power spikes intéressants. Plus 1500. Non. Ah, le pilote. Alors là, c'était le moment. Bon, bon. C'est bon, et une petite transi, non, il n'y a pas de transi, il n'y a plus de T1. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de héros de la faille. J'aurais bien aimé voir le pilote repartir sur une autre lane comme on voit de temps en temps, mais pas du tout. C'est comment, solo queue ça? À plus haut niveau, ouais. À plus haut niveau? À plus haut niveau, c'est on prend une tourelle mid, on reprend l'héros de la faille et on part en side lane avec. Et genre, ils arrivent à faire la trajectoire que Parus nous a fait hier. Ouais, après je peux pas te parler, je suis Arstek Gear, mais à part ça, ouais, tranquille. Ouais, t'as vu ça sur YouTube quoi. Ouais, j'ai vu, ouais, sur YouTube. YouTube, ouais. Allez, bah avec 2 kagol d'avance pour Vita, c'est pas ça tant creuse, que ça. Hein, ça creuse un peu. C'est pas tant que ça, mais tant qu'ils sont sur Naknako et la Kalista, on est bien content. Ouais, pardon. Ah ouais. Ok. Bah écoute, stylé. Hein. Tu joues top, toi? Non, mais je vais peut-être m'y mettre. Pour le coup, cet objet a l'air sympa, sachant qu'il a été nerfé, hein, bien sûr. Il va se refaire nerf, assurément. Très stylé. Le piège superbement tendu et malgré la crown des supports, Steelback va se faire supprimer quoi qu'il peut poser. Sa grenade à SM, le follow-up de Peng, on n'a pas assez de dégâts pour exécuter qui se voit chez Vitality B. Oh, la Gwen est en train de faire un ravage dans la back. Oh, la oh, les dégâts juste à l'ultimate. Oh, il va chercher Mathias très très loin. Le red buff. Il prend le reset avec l'auto. Il va directement sur la ward. Ok, on s'est calmé pour Naknako. Il n'est que niveau 12, 3-0-4 pour le top laner de Vita. Et c'est déjà un monstre avec un item et demi. Mais alors qu'est-ce qu'il va devenir quand il en aura 3? Un bus. La game va être très 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 difficile. Pour le coup, Selfmade qui est le seul à être tombé, mais la réponse Game Ward a été vraiment pas mal. Hein.
Juste, il n'y a pas assez de patates, hein, no joke. Hein. L'ulti ping, je veux dire, tu peux pas attendre plus là. 4 personnes touchées, le E qui part sur un carry plus le support. S'il y avait Renekton dans le fight frame 1, peut-être. Peut-être, mais qui tue Naknako? Personne, je pense que ce bateau a coulé. Hein. Ouais, 2 items. Et franchement, Peng a pas les dégâts. Bon là, le break est fait, hein, très clairement, même si je remplissais le verre des Game Ward. Là, on part d'une situation catastrophique. Les spikes d'Aphelios sont loin. Ouais, après il y a une possibilité en late game. Aphelios, on en a vu des 1v9 de Percari. Ouais, c'est sûr. Mais j'en ai vu beaucoup plus venant de Gwen avec Rabadon. Troisième item, j'imagine. Je sais pas, ça peut être Zhonya aussi. Ça de toute façon, vu la paix que ça donne Zhonya maintenant. Réel. Mais après, vu qu'il a enlevé la moitié de la barre d'HP de Mathias avec le petit. Ah, on le prank. Oh, le slow. Les dégâts sont colossaux, Naknako vise un nouveau kill OMG. Non mais... Mais c'est quoi, il a... Ok. Eh bien... Ouais. Bah... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Gwen nerfé sur ce patch également, hein. Absolument pas. C'est fini. 4-0-4 pour le top laner de Vita. Bah, Tréton, on a fait les éloges, tu sais, en in-house et compagnie. Moi, j'avais mes doutes. C'est... Pour l'instant, mes doutes... Bah, respect. Respect à Naknako, qui est quand même sur 8 des 12 kills de la game en tant que top laner. Hein, c'est une dinguerie actuellement ce qui se passe. Et quand tu joues contre ça, en fait, je me demande c'est quoi le plan, tu vois. C'est ok, on attend les spikes d'Aphelios, on espère que Mathias puisse vraiment arracher Naknako plus tard, sachant qu'il part sur quoi avec ce codex. Je suis pas un expert, encore, des items. Mais c'est pas un Zhonya. Je suis pas un cosmique. Peut-être. C'est pas un Zhonya, c'est tout ce que c'est. Il n'y a pas d'intérêt à partir sur Bond. De toute façon, ça ne c'est même plus avec ça. Il me semble que c'est cosmique, mais je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'il fait, tant qu'il fait pas une IE... Et encore. Et ah, je ne rigole pas, et encore. Et encore. Allez, le baron arrive. Il y a beaucoup de vitality autour de Slash. Est-ce que ça va être pool instantanément? Non, quand même. Alors, c'est le baron le plus normal. Plus classique, toujours aussi stylé tout de même. Elle est où cette Gwen? Elle est bot. Elle est en train de raser la bot side jungle. Et maintenant elle repart à la conquête peut-être de la mid lane. Ouais, le map control est nickel. Ils veulent call un Nash? Ils sont en train de faire le Nash? Ils sont en train de le faire absolument. Ah, ils abusent des spikes. Chayek, hein. Yopa. Ça tank relativement bien, on pull, on essaye de provoquer un fight pour que Naknako puisse encore faire des siennes. La grenade ASM qui a été lancée, le follow-up qui ne sera pas tout simplement sur la table, mais quand même, il n'y a plus d'aiguille pour Naknako. Un peu peut-être précipité pour Vita, on voulait menacer de flank avec Naknako. Et on allait trop loin et maintenant on n'a plus réellement de raison de rester ici. On va essayer de catch Pride dans sa lane. Ouais, ça y va. Avec l'ultiva, le follow-up, il est complètement isolé, il a l'air d'être... Oh les dégâts. En petite posture, ce Renekton snip snippé sur la place publique. Alors là, c'est le call 5 contre 4. Jungle up Zixi avec son smite. Mais quand tu vois les dégâts de Naknako sur le Nash, ça peut aller tellement vite. Et il y a une Kalista. Très propre, hein, Vita. Hein. Bon, c'est pas terminé. 4v5, on y va. La plante. Les Game Ward. Naknako, il faut se donner Zixi. On est totalement lucide, évidemment. Oh non! Le monstre protège la corniche. Peng avec son cosplay, ça ne passe pas très bien, mais c'était un clone, c'était un clone. Le barou d'honneur probablement des Game World, mais c'est Sten qui trouve directement l'angle. C'est follow-up instantanément. Peng qui est sur le point de tomber, un Zhonya ultimate, les gars sont faits, peut-être avec Mathias, le roi des chakrams en backline. Mais non, c'est trop faible tout ça, c'est trop faible, Shtick. Les aiguilles. Shtick qui va tomber, c'est gratuit normalement pour Vita. On peut réinitialiser, on peut recommencer ce Nashor pour la troisième fois de suite. Il n'y a pas de solution. Où est Naknako? Il est partout et il fait vraiment un carnage avec sa Gwen. C'est pas fini? C'est pas fini. La V4. La V4, Mathias. Il faut venir, il faut rentrer. On n'a pas de smite, il faut y aller très vite. On trouve le grab ici sur Tchajek. Mais il n'y a pas les dégâts. Mathias a reculé. On va prendre le Nash qui est récupéré pour Vita. Et en plus, un kill de plus. Et c'est pas terminé. Oh non, arrête. On va le booster avec la dissonance. Non, on décide de se calmer. Je pense qu'on a regardé un petit peu le nombre de gold qu'on avait en poche pour Naknako. On était là, oh tiens, j'ai mon prochain item, let's go. On va pouvoir voir ce qu'il a fait en tout cas. Il y a eu 4 fois une initiation sur le Nash.
Le call du turn est très propre, hein. Surtout que ça touche Peng, qui était peut-être le playmaker de ce fight. Qui réagit bien d'ailleurs, Peng. Mais bon. On est split, hein. Steel back Zixi sur le flanc gauche. Ouais, là, cette petite montagne de saison 14 là qui split un petit peu les deux entrées. Il a pas fait son troisième item, il n'a pas assez de gold, que 3000 d'avance. Ouais, Naknako est finito. Totalement. Et normalement là, on a réussi à prendre une tourelle de consolation pour Game Ward. Deux items sur Kalista, pareil pour Arena. Très fort, hein, putain. Et Zeki d'ailleurs sur cette maid. Ouais, il a compris que c'était pas le carry cette game finalement. Mais bon, son premier objet a apporté assez de peps pour dynamiser le match. Y a un monde où on dive fort bot. Ouais, regarde self-made. Regardez self-made. Admettons, il est au top là, on le sait. Hein. C'est du 4v5. Qu'est-ce qu'on attend? On y va? C'est peut-être la fin du powerplay. Ah, à 1.30, c'est un peu dommage, mais. Y'a pas vraiment de wave à exploiter, on a récupéré la soul, bon. On court top, mais comme le travail de Pride est bon, il a clear toutes les waves. Donc le temps que la prochaine arrive sur la T2. Ils sont double Zeki, putain. Ouais. Après ça fait deux zones de slow. Après pour elle j'aime beaucoup. Pour le coup. Il agit super bien avec son ult. Et petit Sunfire des supports quoi. Enfin la grosse Sunfire, parce que ça fait assez mal quand même. Cosmic qui a été récupéré. J'attends de voir le prochain fight de cette Gwen qui, si je ne me trompe pas, est niveau 16. Ouais, 16, aiguille rang 3 et le Cosmic Drive va faire oublier l'absence de ce fantôme, de ce ghost en summoner. En vrai, playable, hein. 2 levels d'avance mid, AD et 3 en top lane. Ouais, Chayek qui est revenu dans le match discretos. Ouais. Le solo kill est bien loin maintenant. From 0-1-0 to 3-1-8. Il est tranquille et maintenant il n'a plus qu'à poser son orbe. Sur Rel ou sur Vi. Naknako. On y va à 5. Il va se prendre toute la team. Ça va pas passer. Et non, finalement, il arrive à les kiter. Il joue avec TP Knight. Oh, évidemment, on va accélérer top en contrepartie. Self-made. Il n'y a pas que ces tweets qui sont bons, on dirait. Ah ouais, attends, mais il n'y a pas de sbire. Ils sont où les sbires, Naknako? Tu la dive sans sbire. Ah ouais, stylé. Un très stylé, Naknako. Il comprend les règles du jeu ou pas? Il n'a pas le droit de faire ça, mais bon, on est en 5 contre 4. Plus d'ultimate cependant pour Naknako. Cette blade qui taunt, qui taunt à coup de pelle. Grande classe avec sa Neon Strike Vi. Je crois qu'il a skin complètement validé. Il y a quelqu'un qui te déteste en face, je sais pas. Il flex et il peut se permettre puisque c'est probablement le push final en faveur des amis extend d'administration. Superbe follow back, la shockwave, c'est nickel. Peng qui trouve encore une fois un excellent ultimate, mais c'est trop tard. L'écart en gold est massif et le Aphelios de Mathias chatouille les vitalities, chatouille. Il n'y a plus rien à faire, la soul fait beaucoup trop mal. On n'a pas les dégâts de base et en plus il y a ses résistances supplémentaires. Naknako, faut arrêter. T'es sous la tourelle, t'es dans la fontaine. Tu vas aller où? Bah vas-y, rentre dans la fontaine, tu l'adores. Il est pas mort! Illégal et self-made qui va s'exécuter dans la fontaine game! Oh, c'est trop! Ok, il est mort! Il est mort! Il est pas mort! Mais laissez-le mourir, il veut mourir! Levitate, Tibi qui l'emporte avec la manière et qui sort de cette première semaine en 2-0 que je qualifierais de 2-0 claqué! Convaincant! Ils les ont claqués! Il a pas le temps, Naknako, il vient de torcher la game, il court sur Twitter, c'est parti. La vache. Oh, oh, cette Gwen. Ça flex dur, hein, chez Vita. Hein. Ah, c'était rapide. Impressionnant. Et d'une violence. Parce que pour le coup, les Game Ward ont assez bien joué early. Peng a mis beaucoup de rythme et tout, mais... Ah, Peng, on peut pas lui en vouloir. Il a solo kill, il a fait le déplacement bot et tout ça. Non, c'est juste Vita était meilleur et il va falloir qu'on en parle de ça parce que franchement, Naknako, il s'est fait discret au tout début et d'un seul coup, le score est monté. Ouais. Deuxième équipe en 2-0 donc dans cette première semaine de LFL, Carmine Core Blue, Vitality B. Il y en aura d'autres hein, potentiellement, mais en tout cas, ce ne seront pas les Game Ward. Bon, qui finissent avec une première semaine déjà assez convaincante quand même à titre personnel. La fameuse équipe dont on n'attendait pas grand-chose si on suit les tier-list.
pour le coup, il y a quand même des arguments clés, et surtout des joueurs qui semblent être bien à l'aise avec leur role peng, particulièrement, c'est pas mal. Toi, t'en penses quoi, Chevita, le meilleur joueur actuellement? Écoute, Stend, je pense, a montré la performance la plus clean. Stend Yopa, en fait, la botline Stend Yopa a été très convaincante, je trouve, sur ces deux premières parties. Mais bon, on va renvoyer la parole directement à nos chers amis casters, Chips, Noix, Tréton, pour le débrief de ce Game Watt contre Vitality. Merci messieurs, belle game du côté des Vitality B ici avec un très 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 grand Naknako notamment qui s'est particulièrement illustré enchaînant les solo kills. Bon, une rencontre où Vita a quand même rapidement pris les devants malgré quelques plays intéressants côté Game Ward, traitant notamment de la Nico de Peng. Ouais, il a réussi à solo kill mid lane, les Vitality B sont ratés quand même sur un dive, vous donne un kill, mais après ils vont peut-être un petit peu trop loin dans le chase, les Game Ward. Ils n'ont jamais réussi vraiment à snowball quoi que ce soit Game Ward, malheureusement. Et juste à un moment, Naknako a commencé à péter un plomb. Il a dit bah, cette game là, je vais la gagner. Et on a tous dit oui. Et c'est vrai que dans l'ombre, on peut aussi souligner l'énorme performance de Yopa, encore une fois, qui n'est pas mort une seule fois, qui est toujours immortel et qui a dû finir en 8 ou 9-0, hein, tout simplement. Ouais, complètement. Et bon, bah, de l'autre côté, côté Game Ward, tu l'as dit, j'avais un peu l'impression que Peng était seul contre le monde. C'est-à-dire, il TP bot pour sauver sa bot lane, il arrive à trouver des kills, il fait des bons fights, il trouve pas mal de choses. Sauf qu'à côté, le reste de son équipe se fait absolument pulvériser. Et bon, et nerf Gwen aussi, quoi. Gwen, franchement, avec Ignite, du coup, il y avait Bronconnet qui avait tenté ça contre, ouais, contre un Renekton déjà. Le Renekton d'Adam, avec Ignite, c'était pas passé parce qu'il avait pris un très mauvais gank. Et du coup, il avait été mis dans le mal, mais là, j'ai l'impression que le match-up est relativement jouable. Et c'est à partir de là que tout déroule, où il y a la double téléportation du TTB qui était très, 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 très content de prendre ce fight, bien évidemment. Et là, ils peuvent prendre tous les kills. C'est ici vraiment que le snowball commence à prendre place. C'est vrai que leur composition, et en même temps, je trouve très, 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 très forte. J'aime bien la composition de Vita, je trouve qu'elle est super équilibrée. Vajorana, c'est très bon, t'as un carry top. Kalista pour assurer l'early game avec une rel en teamfight. C'est très difficile de jouer contre autant de CC et de dégâts pour les Game Ward qui, eux, en termes de dégâts, en manquaient gravement parce que Mathias pouvait pas DPS comme il le voulait. Ouais, puis quand ton Renekton passe derrière, en plus de ça, tu sais que c'est pas ta Nico a priori qui va carry les teamfights de late game à 100%. Donc c'est vrai que ça commence à devenir difficile. Avec en plus un Yopa qui survole les débats. Et là, on s'est dit, alors peut-être que Vita fait l'erreur de s'engager sur ce Baron Nashor, Noix, mais finalement, il n'y avait pas d'erreur. La Gwen, à chaque fois, en trois coups de ciseau, elle tue quelqu'un. Enfin, vraiment, le moment où la Gwen pulvérise le Renekton dans le 1 contre 1, tu te dis que ça va être très, très, très compliqué. Et après, il se balade. Mais oui, bah, Tréton a déjà fait le topo. Hein. J'ai pas trouvé Selfmade et Chayek étincelant pour le coup. Il s'est fait ce kill mid lane, Chayek, alors. Ouais, et je trouve que Selfmade, il y a parfois quelques petits loupés, peut-être un peu trop d'agressivité. Voilà, enfin, le graphique résume la game. Il y a Naknako qui a un V1000. La botte a bien joué. Mais c'est vrai que c'est lui qui fait. Mais c'est totalement indécent parce que. Est-ce qu'il fait pas plus de dégâts que tous les Game Ward réunis? Non, mais ça se joue quoi. On n'est pas si loin, je pense. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Non, mais il a fait une game de fou. Yopa Stand, il a dit au cast tout ça à la fin, était très stable. Vitality, c'est convaincant. Ça a récupéré tous les dragons, évidemment. En termes d'objectifs, c'était très solide. Le turn au Baron Nashor est très bien call et montre déjà le fait que l'équipe est avancée dans son entente. Qu'en 5v5, il y a un bon show de calling. Il y a forcément de l'expérience, hein, de rien. Dans cette line-up, surtout avec Selfmade. Et pour Game Ward, il y a quand même des trucs qui sont pas si mauvais à prendre dans cette game. Je pense qu'ils ont bien résisté dans un premier temps au dive bot. Ils ont essayé de faire un teamfight qui était ok tiers. Et Peng a vraiment, vraiment, vraiment très bien joué pour le coup. Et ça fait deux performances d'affilée où je trouve que Peng est très bon. Bah, c'est un peu la bonne nouvelle parce que, effectivement, Peng, pour moi, un peu bloqué parfois sur certains champion pool. On pense à Annie, Harry. L'année dernière, par exemple, où la Lissandra, Syndra, là, il sort une Akali extrêmement bien pilotée, il sort une Nico extrêmement bien pilotée. Nico, ouais. Je ne sais pas par où il est passé, par la salle du temps pendant l'intersaison, mais il est chaud. Effectivement, il joue bien, Peng, mais ce n'était pas suffisant aujourd'hui pour les Game Awards qui termineront cette première semaine à 1-1. Mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir notre invité de ce match pour l'interview. Il s'agit de Selfmade, le jungler du côté de Vitality B. Hello Selfmade, congrats for the win. bonsoir. How are you after this first week? 2-0 week?
What a perfect start. Yeah, I mean, I feel happy to obviously finish the week 2-0. And I'm happy that I got to leave Paris tomorrow. You don't like Paris? No, I love it. You love it? Yeah. Sorry. I didn't hear it right. So, self-made. First week, 2-0. You've come back from a period of no play. Mm-hmm. How do you feel right now about yourself, about your strength? Because you were one of the best junglers in Europe back in the day in LEC. Merci beaucoup. But that's true. I really mean it. But right now, how do you feel about yourself, about your plays? Right now, I mean, I'm not going to lie, my team is pretty damn good. I'm really surprised how talented these kids are. And as you can see in the past two games, my job is to just tank devs for them. And so far, it's working. So you're hinting a bit, so you leave maybe a chance to the opponent team, right? I mean, I'm not going to lie. Today, I got in that. Like, they called the bot dive, and then they called to commit, and they don't commit in the end. And then I was like, yeah, they're all laughing, right? Because they know I'm right. Overall, I mean, even the last pick Vi was not needed. Like, we picked it just to, like, for fun to deliver the Orianna ball. But to be fair, after our first three picks, I knew the game is over because I've seen Nako Gwen already. And yeah, we didn't have to do anything. He did everything for us. Yeah, he was playing pretty out of his mind. What's your opinion then on Nakoa as a player? Because you have a lot of experience, you played with a lot of different tops. So in the rankings, Nako is really good on your mind? Or? I mean, this kid is so special that I don't have words to describe how good he is, seriously. It's like really insane. I played with a lot of top laners. I played even with Bipo, who's like one of the best top laners in Europe ever. And I think Nako is like even right now one of, like, easily top three in Europe, I would say. Top three? But, By saying in Europe, I mean also Lissi, right? So it's Okay. And he won the MVP of the game, Oscar. Not surprisingly, I would say, looking at his game, it's logical. Yeah, of course. And we can see some of his play. I mean, he seems to be so much ahead when you look at this game. It's really crazy. Every time he plays Gwen, every game looked the same, so I wasn't surprised at all. And about the level of the LFL overall, are you surprised? Do you think it's a good level or not? I mean, I just played two games so far, right? And yeah, but you played in scrims and stuff for sure. Like you are. Yes, but you know, you are very smart about League of Legends. You are a Bard 1-3, so you should know a lot. Scrims usually are way different than official games, right? So, for example, we tend to int a lot, and to be fair, before the yesterday game, I was kind of worried, mostly about my bot lane, but then turned down, they were performing the best, so I'm looking forward to the split. It's going to be good here, hopefully. Well, we can't wait to see more of your team. Honestly, it was a very convincing first week, Oscar. Do you have any last words for the fan? Yes, I do. Bizooks. It was one last word, but it was a good last word. Thank you, Oscar, for your time, and enjoy the win. See you next week. You too. Thank you. Bye. Bye. Eh bien, oui. Il parle très vite. Moi, je m'y suis habitué. Non, c'est vrai, il parle très, 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 très vite. C'est difficile à comprendre. Mais on sent que tu t'entends bien avec lui, Tréton. Vous avez passé du temps un peu ensemble au Media Day. Ouais, et puis même en solo queue, on se connaît. À l'époque, il avait dit que j'étais le meilleur support d'Europe. Donc, il m'avait mis bien. C'est vrai. T'avais eu une annonce sur ton stream pendant un moment. Oui, mais on se flemme régulièrement. Et c'est pour ça aussi que je peux me permettre de lui dire qu'il a int un petit peu le game et il le sait lui-même. Mais ce qui était ouf, c'est quand même ce qu'il a dit sur Nakako. Pour lui, c'est un top 3 top laner EU actuel. Enfin, genre, juste même en comptant le LEC, ouais. Ce qui est quand même, je pense que Selfmade a de l'expérience. Quand Selfmade dit ça, et il a joué avec Bwipo et tout, il joue avec des gros tops. Il parle notamment de sa Gwen, mais après on attend de voir s'il est capable de faire ce genre de performance avec autre chose que Gwen aussi. Gros, sur Yone, il est connu pour Yone de base. J'ai vu le clip de Yone. Il n'y a pas que ce clip, il a fait d'autres trucs à d'autres top laners et tout. Enfin, sur Yone, c'est n'importe quoi, Nakako. Ok, bon bah comme quoi, quand on est fan de Vitality, on est en droit peut-être d'espérer de très belles choses pour la top lane. Ah bah ça sent bon hein, pour Vita. Franchement, les deux games, pour moi, j'ai pas beaucoup de critiques à adresser à la team. C'est peut-être même, en vrai, sur le papier, celle qui apparaît le plus solide pour le moment. Alors il y a pas non plus un énorme échantillon statistique. Non mais réel.
Ah bah, je suis d'accord que c'était vraiment du très très solide hein, du côté de Vitality TV. Donc affaire à suivre, mesdames et messieurs. Mais en tout cas, cette équipe est à 2-0 et elle fait un départ extrêmement convaincant. Il est temps de se laisser pour quelques minutes, bien sûr. Mais on se retrouve pour le match suivant, mesdames et messieurs. C'est Géo contre BKR. BKR, absolument, crois. Absolument, Tréton, c'est bien vu, tu l'as. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi, bien sûr, cet entre-game. On se retrouve donc pour le Géo BKR qui s'annonce absolument délicieux. A tout de suite sur OTP. Setup Baron plutôt très bien réalisé. On est en passe d'aller potentiellement finir la game. On est en train de les voir se diriger vers la mid lane. Est-ce qu'ils vont réussir? Oh non, mais c'est pas sérieux, c'est... T'as pas fait ça pour manger une barre KitKat? Si. Et il t'en reste une pour moi? Bien sûr, BG.